Alors que le prince Charles attire et se révère entre les reines, Elizabeth II se retrouve dans une grande tristesse. Faites un zoom sur le cadeau que lui a fait son fils Andrew pour l'aider à oublier son chagrin. Suite à la disparition du prince Charles, la reine Elizabeth II s'est retrouvée dans un immense chagrin. Ainsi, elle voit que les peines que sa mère traverse, le prince Andrew lui a offert un cadeau pour l'aider à panser son cœur. Zoom sur ce geste unique. Un cadeau inattendu le 21 avril 2029, la reine Elizabeth II célèbre ses 95 ans. Si c'était censé être une bonne nouvelle, celle-ci ne peut pas vraiment se réjouir de cette date car elle vient tout juste de perdre son époux. Cependant, il était hors de question pour les autres membres de la famille royale de la laisser passer cette journée dans la solitude. Les reines Elizabeth II et ses fils. Photo Getty Images, c'est ainsi qu'elle a pu compter sur son fils Andrew, qui est l'une de ses rares personnalités, savoir lui donner le sourire. C'est ainsi que quelques jours avant le décès du prince Philippe, le prince Andrew a offert de chiots ses mères pour l'aider dans cette période difficile. De nouvelles recrues selon le magazine Sun, le prince Andrew avait choisi d'offrir ses animaux à la reine dès qu'il avait constaté que les santé de son père étaient de plus en plus défaillantes. Les deux animaux se nomment Wilk et Fergus. Le premier a été nommé préférence la demeure de Balmoral Loch Muick et le second est référence l'oncle de ce majeste féro de la Première Guerre mondiale. Le reine Elizabeth II, le prince Anne joue lors du concours épique de badminton. Photo Getty Images, si le reine n'avait pas prévu d'avoir de nouveaux animaux de compagnie, voilà qui devrait lui faire changer d'avis, mais surtout lui redonner les joies de vivre. Cet anniversaire se ferait sentir de canon y portrait mis avec beaucoup d'amour. Le parcours de la reine est évident. Zoom sur ce jeu, tout elle avait été tirée dessus par un adolescent. Les reines Elizabeth II et son mari, le prince Philippe. Photo Getty Images.